Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On voudrait montrer que, quel que soit x, y appartient à l'ensemble R, la partie entière de x plus y supérieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y. Deuxième question, montrer que, quel que soit x, y appartient à l'ensemble R, la partie entière de x plus y inférieure ou égale la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. On va faire ensemble. Alors, première question, montrons que quel que soit x, y appartient à l'ensemble R, la partie entière de x plus y supérieure ou égale à la partie entière de x plus la partie entière de y. Alors, soit x, y appartient à l'ensemble R. On a, d'après la définition, quel que soit x appartient à R, x compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Et quel que soit y appartient à R, y compris entre la partie entière de y et la partie entière de y plus 1. Alors, d'après les deux inégalités, on prend la partie entière de x inférieure à x et la partie entière de y inférieure à y. Alors, on a la partie entière de x inférieure à x et la partie entière de y inférieure à y. D'après ce qui précise, ce qui implique que la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale x plus y. X plus y. Très bien. On va encadrer cette inégalité. Quel que soit x, y appartient à R, on a x plus y compris entre la partie entière de x plus y et la partie entière de x plus y plus 1, d'après la définition. On va prendre x plus y strictement inférieur à la partie entière de x plus y plus 1. Alors, d'après ce qui précède, on a la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale x plus y et x plus y strictement inférieur à la partie entière de x plus y plus 1. D'où la partie entière de x plus la partie entière de y strictement inférieure à la partie entière de x plus y plus 1. C'est-à-dire, si je élimine 1, strictement devient ou égal. Donc, la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale. Je élimine 1. Strictement devient ou égal. X plus y. Donc, la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale à la partie entière de x plus y.
Donc, quel que soit x, y des nombres réels, la partie entière de x plus la partie entière de y inférieure ou égale la partie entière de x plus y. Deuxième question, montrons que quel que soit x, y appartient à l'ensemble R, la partie entière de x plus y inférieure ou égale la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Alors, on a, d'après la définition, quel que soit x appartient à R, x compris entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. Et y, quel que soit y appartient à R, y compris entre la partie entière de y et la partie entière de y plus 1. Très bien. Alors, on a x strictement inférieur à la partie entière de x plus 1 et y strictement inférieur à la partie entière de y plus 1. Alors, on a x strictement inférieur à la partie entière de x plus 1 et y strictement inférieur à la partie entière de y plus 1. On va faire la somme. Donc x plus y, donc x plus y strictement inférieur à la partie entière de x plus la partie entière de y. Et 1 plus 1, ça fait 2, plus 2. D'autre part, d'après la définition, x plus y compris entre la partie entière de x plus y et la partie entière de x plus y plus 1. Plus 1. D'après quel que soit x, y, des nombres réels. Alors, on a d'après ce qui précède, on a x plus y strictement inférieur à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. D'autre part, x plus y compris entre la partie entière de x plus y et la partie entière de x plus y plus 1. On a x plus y strictement inférieur à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. D'autre part, on a x plus y supérieur ou égal la partie entière de x plus y. Alors, on a x plus y supérieur ou égal la partie entière de x plus y et inférieur, x plus y strictement inférieur à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. D'où la partie entière de x plus y strictement inférieure à la partie entière de x plus la partie entière de y plus 2. Alors, si je élimine 1, ici, éliminer 1, strictement devient O égal. Donc, la partie entière de x plus y inférieure ou égale la partie entière de x plus la partie entière de y plus, on a ici 2. Si j'élimine 1, elle reste 1. Donc, 1. D'où le résultat. Alors, quel que soit x, y appartient à R, la partie entière de x plus y inférieure ou égale la partie entière de x plus la partie entière de y plus 1. Et merci.